sélectionner. C'est le gouvernement qu'il faut virer. Combattant les licenciements, paysans frappés par la politique de l'Union européenne, petits artisans retraités soumis à l'infâme augmentation de la CSG, toutes et tous nous aspirons à l'unité pour en finir avec cette politique. Nous avons dit il y a plusieurs mois qu'il y aura une manifestation nationale à Paris pour l'unité pour chasser Macron. Nous avons multiplié les démarches. Certaines ont abouti, d'autres pas. Aujourd'hui, nous sommes ici par milliers, travailleurs, jeunes, militants, appartenant aux tendances les plus diverses du mouvement ouvrier démocratique. Rassemblés pour dire, la volonté de la majorité doit s'imposer. Macron doit partir, et le plus tôt sera le mieux. Cette manifestation n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. La vague grandit, celle de l'unité, quelles que soient les formes, quels qu'en soient les obstacles, elle finira par l'emporter. Macron revendique l'héritage des Versaillais de 1871. Nous sommes, nous, rassemblés au cimetière du Père-Lachaise, là où ont été fusillés les derniers communards. Entre Versailles et la Commune, entre les fusilleurs et les fusillés, entre les exploiteurs et les exploités, entre le monde du capital et le monde ouvrier, le fossé est infranchissable. Partout et sous toutes les formes, organisons nos comités pour l'unité. L'unité des grands ouvriers démocratiques qui en finira avec Macron, sa politique, sa Ve République et l'Union européenne. Dehors Macron, place à la démocratie, place aux exigences du peuple travailleur. Unité, Macron doit partir. Macron partira. Je vous le donne de la terre, debout les forces de la faim.